Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Rave in the Redwoods. Donc le glitch consiste à faire un out of map, donc c'est un nouvel out of map. Donc pour ce faire il vous faudra le transpondeur de Rave in the Redwoods, donc qui se trouve au challenge station de Libou. Il va falloir faire le challenge de tuer 25 zombies à distance. Quand vous aurez tué les 25 zombies à distance, vous pourrez acheter et vous équiper transpondeur. Bien sûr, il est gratuit pour le moment puisqu'il y a un bug. Regardez, je l'achète, hop, et ça me décompte aucune tuée. Il faut savoir aussi que toutes les deux manches, il est renouvelé. Donc toutes les deux manches, vous pouvez le récupérer. Alors, ensuite, quand vous avez le transpondeur, il faudra juste vous dirigez où je suis, hein, tout simplement. Allez ici et lancez votre transpondeur dans les crasses. Voilà, comme ça, hop. Donc quand vous avez réussi à le lancer, vous vous TP. Donc là, soit vous sautez tout simplement ici. Mais bon, moi j'ai un autre truc, c'est beaucoup plus facile. Donc vous vous mettez ici, voilà. Et regardez, là il y a un petit rebord, voilà. Vous mettez sur le petit rebord et bam, vous sautez. Et voilà. Donc ensuite il faudra impérativement ne pas ouvrir cette porte, donc parce que sinon vous ne pouvez pas aller plus loin. En fait il va falloir sauter sur cette porte, donc il ne faut pas l'ouvrir. Et je vous conseille de prendre courir rapide, que j'ai carrément oublié de prendre. Donc moi je vais galérer, tant pis. Alors je vais pas galérer ici, hein, je vais galérer là-bas, vous allez voir. Donc là c'est très simple, vous sautez simplement sur la porte, voilà, quand vous êtes dessus. N'avancez pas trop pour pas tomber. Ensuite vous suivez la barricade en bois, tout simplement, hop 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 hop, tranquillement, tout doucement mais sûrement, voilà. Alors ensuite si vous êtes un PGM, vous allez arriver à monter là dessus directement, et si vous êtes équipé de courir vite aussi, parce que moi je l'ai pas, je crois que j'y arriverai pas. Donc en fait c'est tout simple, on va essayer de sauter sur la pancarte en bois et puis sauter directement sur la colline, ok. Donc prenez un peu d'élan, ok, courez bien droit parce que sinon si vous courez par là, c'est sûr vous allez tomber. Bref, donc là vous courez, vous sautez et voilà, vous ressautez. Vous avez vu, j'ai fait un double saut, donc en fait ici il y a un truc invisible, je sais pas quoi, et j'ai su ressauter dessus. Donc là je suis tombé, j'ai fait exprès, c'est pour vous montrer qu'on peut remonter, donc on peut remonter bien sûr, mais je vais galérer parce que j'ai pas couru vite. Donc je vais peut-être accélérer la vidéo. Ah non, c'est bon, j'ai réussi, putain, je suis trop balèze. Mais bon, voilà. Donc ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut monter ici. Donc voilà, on peut visiter, enfin on peut monter sur la colline. C'est quand même, je crois qu'on est sur la plus grosse colline. Ouais, je crois. Peut-être qu'on peut monter un peu plus que là. Ouais, carrément, on peut monter là. Voilà, voilà. Voilà, magnifique, magnifique. Donc ça, je l'ai découvert carrément aujourd'hui, hein, parce qu'en fait, je voulais vous montrer un autre truc sur l'autre, enfin, que je vais vous montrer bientôt. Hein. Vous voyez un peu où je suis, ça déchire quand même. Hop, on continue à explorer. Allez, ouais, on continue à explorer. On est des ouf, on est des ouf. Espérons que je ne tombe pas, parce que... Après, ça va être la galère. Ok. Non, je suis tombé. Où est-ce que je suis? Est-ce que je peux remonter? Ah oui, je peux remonter, bien sûr. Avec un petit peu de technique. De technique. Allez, un petit peu de technique. Voilà, t'as vu ça? PGM, mon gars. Donc en fait, c'était pas du tout ça que je voulais vous montrer. Hein, vous tracassez pas, mais... voilà, je vais vous montrer en même temps. Oh là là là. Oh putain, il s'est cassé une jambe, le petit bonhomme. Hein. Bon, je me suis retrouvé ici, ok. Donc il va falloir que je remonte. Donc... voilà, c'est par ici, voilà, nickel. Hop. Bon, je vais sûrement galérer, donc là, je vais sûrement mettre en accéléré la vidéo. Parce que sinon, je vais mettre 10 ans à monter. Voilà. Donc, j'ai réussi. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer. En fait, c'est une pièce secrète, en fait. Donc là, vous montez, hein. Hop. Là, vous allez... En fait, il va falloir sauter là. Vous voyez, il y a la chaise là. Donc là, vous descendez, mais faites attention quand vous descendez pour pas descendre trop vite. Hop. Là, vous sprintez, vous sautez. Donc il faut très faire attention, hein, parce que ici, si vous faites... vous pouvez passer à travers la balustrade, donc faites attention. Hein. Une chute de 1 mètre, ça peut faire mal, hein, donc faites gaffe. DR. Donc ici, c'est un petit peu délicat. En fait, il va falloir sauter là. Donc j'y arrive jamais. On va voir si je vais y arriver là cette fois.
Donc franchement, si j'y arrive, je suis trop balèze. Et je crois vraiment pas que je vais y arriver. Donc restons positifs, tu vas y arriver, sois cool, tu vas y arriver. Donc si j'y arrive pas, ben en fait c'est tout simple. Vous allez là, et de là, ben vous pouvez rentrer à l'intérieur de la maison ici. Donc c'est vraiment stylé. Donc si vous y arrivez, bien sûr. Parce que là, si vous ratez, en plus, il vous faut un transpondeur pour retourner là. Donc j'espère y arriver, comme ça la vidéo sera complète. Sinon, bah tant pis, je la posterai comme ça. Moi, je vous aurai expliqué comment faut faire. Donc là, faut vraiment aller vraiment au bord, quoi. Puis foutre un coup de sprint. Mais pas sur... Plus, vous voyez, ça vous bloque, en fait. Ouais, ça vous bloque. Donc faut vraiment faire un petit coup de sprint, faire un petit arrondi, là, comme ça. Un petit tournant, là. Ah, j'ai raté. Putain, je vous jure, là, j'ai la haine. Mais bon, c'est pas grave, je vous ai montré que c'était possible, donc... Attendez. Laissez-moi passer, merci. Attendez, je vais vous montrer... on va passer par là. Sinon les zombies, ben, ils vont me la faire à l'envers. Hop. Et aussi, prenez courir vite, parce que ça se tombe, j'aurais réussi avec courir rapide. Donc en fait, vous voyez, là, il y a une pièce. Et en plus, après, vous pouvez rentrer dans cette pièce et vous vous trouvez là, à l'intérieur de ça. Et franchement, c'est pas mal stylé, en fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Bon, à essayer, quoi, parce que c'est quand même assez difficile. De toute façon, je mettrai... la vidéo en description de la personne qui a trouvé ce glitch. Donc vous aurez juste à regarder son glitch pour voir comment il a fait pour sauter là. Mais voilà, je vous l'ai expliqué, je vous ai un peu montré comment il fallait faire. Sauf que moi j'ai loupé et que lui il a réussi, mais je sais pas combien d'essais en même temps. Voilà quoi. Moi, je le fais un peu en live, donc c'est un peu la galère. Donc voilà, je vais vous donner un petit bonus aussi. Il faut savoir que la tondeuse, vous pouvez l'avoir en illimité. Donc je vais faire une vidéo dessus de toute façon, regardez. Ouh, faut que je me casse, ils vont me tuer. Enfin voilà, je peux avoir la tondeuse en illimité. Mais bon, ça sert pas grand chose quand vous êtes dans la map. Tout simplement parce que voilà, les zombies bah, vont vous tuer. Mais si vous êtes en out of map, bah là ça peut servir. Là ça peut servir à mort. Donc voilà, c'est une petite information supplémentaire parce que je me suis file. Alors voilà, je vous mets une petite information, un petit contenu, un petit peu plus. Hein, voilà, hein, vite fait, hein, au calme. Et je tiens à faire une grosse dédicace à Drop Dead, car c'est lui qui m'a appris ce glitch. Mais bon, de toute façon, je vais refaire une vidéo dessus, donc voilà. Et aussi à Verox, qui m'a informé que quand vous faites un kill avec la tondeuse, et ben ça vous fait, si vous êtes 4, donc on va dire je tue un zombie, je gagne 100 points moi, mais je fais gagner 100 points aux 3 autres de la partie. Et ça, c'est stylé. Voilà. Donc voilà, j'espère que toutes ces informations vous aura plu. J'espère que ce glitch à moitié réussi vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Et à partager aussi hein, si ça vous a plu. Donc voilà, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Donc voilà, allez, ciao ciao les potos, à la prochaine. Dumb, dumb.